Bonjour madame. Je voudrais savoir, vu que vous êtes en grève. Tout à fait madame. Est-ce que j'ai un train pour Rennes là? Un train? Mais vous êtes à la gare SNCF ici madame, il n'y a pas de train. Non, les trains, je sais pas, essayez de voir Air France, Ouibus, Ouigo. Ici à SNCF, on n'a pas de train. Dans la gare, on a des distributeurs de canettes, de boissons, ça fonctionne. Les journaux aussi, ça vous pouvez prendre des journaux. Le train, non, malheureusement, il n'y a pas de train ici. Non, il n'y a pas de train, circulez s'il vous plaît madame. Non, mais puis TGV alors. Maurice, les journaux, tu remplis le distributeur de canettes s'il te plaît. Non, il n'y a plus de TGV, non, c'est fini, ça s'est dépassé madame. Maintenant c'est les Américains, hein. Faut aller voir ça à Tokyo, Houston. Faut aller, prenez une navette spatiale, allez directement sur la Lune madame. Vous avez peut-être plus de chances d'avoir un vol. Parce qu'ici pour avoir les trains, faut réserver. Mais je veux pas un vol, je veux passer de Paris à Rennes. Paris à Rennes, alors écoutez, vous avez un rond-point là-bas pour faire du stop, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Un hélicoptère? Un bateau? Mais il n'y a pas de train. Hein. Ici, vous êtes à la SNCF. Hein. Bah justement, y a pas de train, ici. SNCF, il y a le train. Non, c'est fini. Ça, c'était avant. C'était l'époque du Moyen-Âge. Hein. Maintenant, c'est fini. Hein. Maintenant, c'est électrique, magnétique. On envoie des fax, maintenant. Oui, donc, je vais aller voir aussi pour un avion. Puis après, quand ils vont me dire, ah, il n'y a pas d'avion, je vais prendre le train. Ah, je ne sais pas, madame. C'est pas mon problème. Ici, c'est la grève, c'est la SNCF. S'il vous plaît, circulez, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir. Allez, on dégage, parce que moi... Oh, brûlé. Voilà, mais moi, il est 13h30, là, ça y est, j'ai fini ma journée, moi. Oh, là, j'ai fait un effort exceptionnellement, vraiment, hein, cette heure-ci, je serais déjà couché. Allez, hop, ça dégage. Ouais, je vais aller voir votre syndicat, votre brûlé.